Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ces poupées. Donc, je vous avais posé une question sur Facebook et je vous avais demandé de m'aider à trouver un nom puisque j'avais vraiment pas d'idée comment j'allais appeler donc ces jolies petites poupées. Et vous m'avez proposé beaucoup, beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de prénoms que j'ai notés et ces prénoms, même si je ne vais pas les utiliser pour cette poupée, je vais les utiliser pour mes futures créations. Vous voyez, si je fais un poncho, si je fais un châle, si je fais voilà, n'importe quel habit ou voilà, je vais leur donner ces noms-là. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé tellement de prénoms super jolis, super intéressants, mais le souci c'est que bon, il n'y avait qu'une poupée. Donc je les ai appelées Valentine, vous avez été vraiment beaucoup à me proposer ce prénom, donc Valentine, et j'ai trouvé ça très original puisque c'est bientôt la Saint-Valentin et les poupées sont réalisées avec le coton Cupidon. Donc avec ces deux, vous voyez la Saint-Valentin et le Cupidon, je me suis dit que Valentine ça lui irait super bien. Donc ça sera les poupées Valentine. Voilà, donc merci vraiment à tous et à toutes de m'avoir donné tellement d'idées. Et sachez que je vous ai noté et que j'appellerai mes futures créations exactement comme vous m'avez soufflé. Donc tous les prénoms que vous avez pu me proposer. Voilà, merci encore. Pour les réaliser, il va vous falloir une pelote couleur peau. Donc la couleur peau peut être soit la couleur 54, donc qui est vraiment couleur chair. Vous pouvez utiliser du marron, vous pouvez utiliser du camel, ça dépendra vraiment l'origine de votre poupée. Si vous voulez la faire, ben ça dépend. Hein. Vous voulez la faire avec la peau marron, la peau bronzée, on va dire, caramel, la peau blanche, enfin vraiment à vous de voir. Donc une pelote pour la couleur principale de sa peau, ensuite une pelote pour les cheveux, une pelote, vous voyez en fait toutes les couleurs que vous voyez. Par exemple ici c'était bleu et blanc, voilà, et noir. Plus la couleur principale. Ici, j'ai mis plein de couleurs. Vous voyez, je l'ai fait plus colombienne, tout ça. C'est ce genre de couleurs qu'on peut trouver en Colombie. Donc voilà, la couleur obligatoire est la numéro 54, donc une pelote. Avec une pelote, vous pouvez faire au moins deux poupées. Voilà. Et ensuite, les couleurs donc, qui sont situées sur sa robe, les cheveux, etc., les détails. C'est à vous de voir chacun ses goûts. Vous aurez besoin... pour les réaliser, deux yeux amigurumi, vous voyez, deux yeux de sécurité, 8 mm, de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un crochet 2,5 et d'un marqueur. Ensuite, vous aurez également besoin de mousse pour rembourrer la poupée. Donc, comme je vous avais dit dans ma vidéo où je fais le tour de mon atelier, vous prenez un coussin avec la mousse bien souple à l'intérieur et vous l'utilisez pour rembourrer votre poupée. Donc moi je peux vous dire juste que mes coussins à moi viennent de Ikea. Ils sont vraiment pas chers et avec un coussin je fais vraiment 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 plein d'amigurumi. Voilà. Donc voici. Sur ce oui, on peut commencer. Tous les matériaux vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer la petite poupée en faisant la base, donc la tête. Une fois qu'on aura fait la tête, on s'occupera des cheveux qu'on aura choisis. Donc moi, personnellement, je vais vous apprendre à faire cette technique-là. Et je vais vous expliquer aussi comment lui faire des cheveux. Ensuite, vous pouvez lui faire des rastas, vous pouvez lui faire ce que vous avez envie, des bouclettes. Je vais vous donner les détails dans la vidéo. Donc une fois qu'on aura fait tout ce qui est cheveux et tête, on passera au corps. Ensuite, on fera les bras et les jambes. Vous allez voir, c'est très facile. Donc les chaussures et les jambes sont séparées et ce qu'on fait c'est que on les coud ensuite, donc les boots à la jambe pour plus que ça bouge. Voilà. La robe se fait directement en accrochant le fil au milieu du corps et on fait donc la robe. Donc voici. On va commencer la tête en faisant un nœud coulant. Donc on prend le fil comme ceci, vous voyez le petit morceau vers nous et on va venir enrouler deux doigts. Une fois qu'on a enroulé, on croise. Vous voyez? Et on maintient avec le petit doigt le long fil qui est relié à la pelote. Maintenant, on passe notre crochet sous la première boucle. On vient récupérer la deuxième et on la fait passer. Vous voyez? Une fois qu'on a fait ça, vous venez chercher le grand fil, vous voyez, qui est relié à la pelote. Et vous faites une maille en l'air. Et là, vous pouvez lâcher, tout est bloqué. Vous voyez? Maintenant... on va fermer un petit peu le nœud coulant juste pour que ça soit un petit peu plus petit. Ça sera plus facile à travailler. Maintenant, à l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6, vous voyez les 6 mailles serrées, on vient fermer le nœud coulant complètement. Donc on tire fort dessus. Une fois qu'on a tiré, vous voyez, du fil, du petit fil, et qu'on a serré le nœud coulant, on va venir tout simplement commencer le deuxième rang et on va travailler en spirale. Donc on se munit d'un marqueur. Donc on va venir ici dans la première maille serrée qu'on avait fait. Donc je vais vous rapprocher encore un peu plus. Vous allez encore mieux voir, surtout si vous débutez. Donc ici, vous avez la première maille serrée qu'on avait fait. Vous voyez? Donc ici, vous allez piquer. Comme ceci. Et ici, nous allons faire deux mailles serrées dans la même maille. Donc une, la première des deux, on la marque tout de suite, voyez. Ça va être ici le marqueur et notre repère. Donc c'est ici que commence le rang. Et au même endroit, on fait une deuxième maille serrée. Donc on pique et on fait notre deuxième maille serrée, vous voyez, au même endroit. Maintenant, je vais dans la maille suivante et de nouveau, je fais deux mailles serrées dans la même maille. Donc une, au même endroit, une deuxième. Et on continue comme ceci dans toutes les mailles. Donc à la fin, on aura 6 augmentations, c'est-à-dire 12 mailles serrées. Et je fais ma dernière, donc ma 6e augmentation. Là, vous devez avoir 12 mailles serrées à la fin du rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3, on enlève le marqueur. Et on va venir faire cette séquence-là, donc une maille serrée individuelle. Donc ici où il y avait le marqueur, vous faites votre première maille serrée du rang et vous la marquez. Donc ça, il faut, si vous oubliez de la marquer, ça y est, vous serez perdu. Donc vous la marquez toujours la première maille de chaque rang. Donc maintenant qu'on a fait notre maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, et dans la maille qui suit, une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez devoir répéter, une maille serrée individuelle, et dans la maille qui suit, une augmentation, deux mailles serrées dans la même maille. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 18 mailles serrées. J'ai terminé mon rang, vous voyez, voilà ce que ça doit vous donner, donc on a terminé le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, vous enlevez le marqueur. Et ici, où il y avait le marqueur, on commence en faisant une maille serrée individuelle. On vient tout de suite et on la marque. C'est la première de notre rang. Maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une deuxième maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, on répète la même séquence. Deux mailles serrées individuelles, une et deux. Et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. Deux mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 4. Avec mes 24 mailles serrées, maintenant on enlève le marqueur. Et le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. La première des 3, vous la marquez. Dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation. De nouveau, on répète exactement la même séquence. 1, 2... 3 mailles serrées individuelles et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer le rang. Vous aurez 30 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, vous enlevez votre marqueur. Et ici où il y avait le marqueur, on commence notre première maille serrée du rang numéro 6. Donc, on va faire 4 mailles serrées individuelles. On en a 1, 2, 3. Et 4 mailles serrées individuelles. La première des 4, vous venez tout de suite et vous la marquez. Maintenant, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence que vous allez devoir répéter jusqu'à terminer votre rang. Donc, 4 mailles serrées,
1, 2, 3 et 4. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. À la fin du rang numéro 6, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 48 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 8, donc maintenant le rang numéro 9. Ce qu'on va venir faire jusqu'au rang numéro 16 inclus, c'est crocheter les mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vais là où il y avait le marqueur, et je fais ma première maille serrée. Donc là j'ai un raccord de pelote. Cette première maille serrée, on vient tout de suite la marquer, puisque sinon après on va être perdu, ça sera trop tard. Et maintenant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Et on va venir travailler donc ces 48 mailles serrées, tout simplement du rang numéro 9 qu'on vient de commencer jusqu'au rang numéro 16 inclus. Et on se retrouve pour le rang numéro 17. J'ai terminé le rang numéro 16, donc maintenant le rang numéro 17, vous enlevez votre marqueur. Et la séquence qu'il faut répéter tout le rang, c'est 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après les 6 mailles serrées, donc déjà la première maille serrée, on va venir la marquer tout de suite. Maintenant on fait une diminution. Donc une diminution, ça se fait en soulevant le bras avant des deux mailles suivantes en même temps. Donc on va venir dans la première, donc la maille qui suit, et on prend le brin avant. On tourne un petit peu le crochet, on vient dans la maille suivante et on fait pareil. On prend le brin avant qui est vers vous. Une fois que vous avez ces deux brins avant, vous voyez, vous venez récupérer votre fil et vous le passez à travers ces deux petites boucles. Maintenant, un jeté et on ferme ces deux dernières boucles. Là, on a fait la diminution. Donc cette diminution-là, c'est celle qu'on fait en amigurumi. C'est la plus discrète de toutes. Donc maintenant, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et de nouveau, une diminution. Donc en prenant le brin avant, des deux mailles suivantes, comme je vous disais. On prend le fil, on le passe. Un jeté, on termine les deux dernières. Vous allez répéter ça jusqu'à terminer le rang et vous aurez 42 mailles serrées à la fin de ce rang. J'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, le rang numéro 18, on enlève le marqueur. Donc on va venir faire une maille serrée sur chaque maille que l'on a devant nous. Donc là, j'ai la première et on la marque de suite. Maintenant, je fais la deuxième, comme ça, dans toutes mes mailles serrées. Par-dessus, vous faites une maille serrée individuelle. Jusqu'à terminer tout le rang. Ensuite, le rang numéro 19, vous allez faire 5 mailles serrées et une diminution et vous aurez 36 mailles serrées à la fin du rang. Le rang numéro 20, vous allez faire 36 mailles serrées. Le rang 21, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 22, 3 mailles serrées, une diminution et vous aurez 24 mailles serrées. Et là, on se retrouve puisque on placera les yeux en fait. J'ai placé mes yeux et ce que je voulais vous dire, c'est exactement où je les ai placés. Donc ici, regardez, il y a le nœud coulant du départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre le 12e rang et le 13e, là j'ai enfoncé mes yeux. Et entre les deux ici de libre qu'on peut voir, il doit y avoir très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées entre les deux. Une fois qu'on a ce résultat, on va venir les clipser. Donc une fois qu'on les a enfoncés, vous poussez comme ça un petit peu la mousse avec le doigt. Et on va venir tout simplement derrière, vous voyez, mettre le fermoir de cette façon et clipser. Une fois qu'on a fait un œil, on fait le deuxième de la même façon. Une fois que vous avez tout bien clipsé, vous allez venir tout simplement remettre la mousse comme c'était jusqu'à obtenir une tête bien ronde, toute mignonne. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est continuer
Donc maintenant, on passe le crochet, on enlève notre marqueur. Et la séquence qu'on va faire ici, c'est deux mailles serrées. Donc une, deux. Et là, on fait une diminution en soulevant le brin avant des deux mailles suivantes. Vous voyez? Donc comme on a fait jusqu'à maintenant, mais c'est deux mailles serrées. La première des deux qu'on a fait, on la marque. Et on continue cette séquence jusqu'à terminer le rang. Vous allez voir que votre trou va bien bien se fermer. Ça va beaucoup diminuer. J'ai terminé le rang numéro 23. Maintenant le rang numéro 24 qui est complètement le dernier. On enlève le marqueur. Et on va venir faire une maille serrée que l'on va marquer. C'est la première du rang 24. Et maintenant on fait une diminution. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille serrée suivante, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang numéro 24, vous prenez et vous coupez un bon morceau puisqu'on va devoir coudre cette partie au corps. Maintenant, vous tirez, vous faites une maille en l'air d'abord et vous tirez. On enlève ici le marqueur et on place notre fil dans une aiguille à laine. Et maintenant, on va tout simplement passer par toutes les mailles. Et on va tirer dessus et ça va fermer notre trou. Une fois qu'on a fait le tour de toutes nos mailles, comme vous pouvez voir, il reste quasiment aucun trou. Il y en a juste un tout petit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers les premières mailles encore une fois. Vous voyez, moi, une seule fois, c'est bon, je n'ai plus de trou. Et là, vous faites un petit nœud. Cette partie-là, ne vous inquiétez pas, hein, on ne la voit pas du tout une fois cousue. Maintenant, vous piquez et vous allez ressortir un petit peu plus loin, donc au troisième rang environ. Voilà, troisième rang. Et vous laissez votre fil comme ça. Comme ça, au moment de coudre la tête, on est placé au bon endroit, vous voyez, pour coudre sur le corps. Nous avons terminé maintenant la tête. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez ici, en fait, là, dans son menton, dans son cou, on va dire, ça doit être plat. Vous voyez? C'est plat. Et là, rond. Donc c'est pour ça qu'au moment de remplir la tête, il faut vraiment prendre votre temps pour que ça reste vraiment super mignon. Si vous négligez la tête, votre poupée ne sera pas jolie. Donc, vous faites en sorte d'avoir cette forme-là, toute mignonne. On va commencer maintenant le corps. Donc, le corps se commence en faisant un nœud coulant, donc de la couleur chair. Et on va venir bloquer ce nœud coulant avec une maille en l'air. Maintenant, ici à l'intérieur de ce nœud coulant, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, une. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a nos 6, vous voyez, mailles serrées, on va venir tirer du nœud coulant bien fort. Le nœud coulant s'est refermé, vous voyez. Maintenant, on va venir piquer dans la première maille serrée et faire une maille coulée. Donc maintenant, le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et on va faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc y compris ici même, vous voyez où j'ai piqué pour faire la maille coulée. Ici, dans le premier petit trou qu'il y a ici, vous piquez et vous faites deux mailles serrées. Donc une
et exactement au même endroit ma deuxième. Je vais dans la maille suivante, de nouveau deux mailles serrées. Une, deux. Une et deux. Comme ça jusqu'à avoir fini votre tour. Et vous aurez 12 mailles serrées. J'ai terminé tout mon tour. Donc maintenant on va venir unir ici à la première maille serrée de départ. On fait notre maille coulée. Maintenant le rang numéro 3. On fait une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter tout le rang, c'est une maille serrée et dans la maille serrée suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Vous terminez ce tour et à la fin, vous aurez très exactement 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 3, maintenant on unit par une maille coulée. Maintenant le rang numéro 4, on fait une maille en l'air et vous devez faire une maille serrée individuelle sur chaque maille, vous voyez? Donc au total, vous allez avoir toujours 18 mailles serrées. À la fin du rang numéro 4, on unit par une maille coulée. Maintenant le rang numéro 5, vous faites une maille en l'air pour lever l'ouvrage et la séquence qu'il faut répéter tout votre rang, ce sont deux mailles serrées individuelles, donc une et deux. Et dans la maille serrée suivante, vous faites une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. Donc deux mailles serrées, une et deux. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter tout votre tour et vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé mon rang numéro 5 avec mes 24 mailles serrées. Maintenant, on va prendre la nouvelle couleur. Donc moi, dans mon cas, ça va être le violet. Et je vais venir faire avec cette couleur une maille en l'air. Regardez. Cette maille en l'air, on la tire et ça nous a fait un petit nœud. Maintenant, cette petite boucle, on la lâche complètement. Et on va reprendre la couleur peau, vous voyez, avec laquelle on a fait le haut du corps. Maintenant, on pique dans la première maille serrée comme pour unir. Mais au lieu de ramener cette couleur, on va ramener la petite boucle. Donc, vous la récupérez, cette petite boucle. Et vous la faites passer pour unir votre rang. Vous voyez, là, on est prête pour commencer à travailler avec cette couleur-là. Donc, la couleur beige, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement venir la couper. Et le fil du nœud coulant également, il était trop long. Donc maintenant qu'on est prête, on commence à travailler avec la couleur violette. Ces deux petits fils, ce que vous allez faire, c'est les mettre dans la main gauche et comme ça, on va les cacher en même temps. Donc on commence en faisant une maille en l'air et la séquence qu'on va faire au rang numéro 6, c'est tout simplement faire une maille serrée individuelle dans chaque maille. Donc je plante ici dans la première et je fais ma première. Et je vais faire ça avec ma nouvelle couleur, faire tout mon rang numéro 6. Vous voyez? Et je cache toujours mes fils en même temps, les deux couleurs que j'ai. Vous voyez? Quand ça fera un bon moment qu'on les cache, on peut les couper. Ça fait un bon moment que je cache mes fils en travaillant. Donc je prends mes ciseaux et je coupe ces deux petits morceaux de laine pour plus qu'ils me dérangent. Vous voyez, j'ai fait un bon morceau en les cachant, ils sont en dessous. Donc là, on peut couper. Et là, je continue normalement. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, tout simplement, on unit par une maille coulée à la première maille serrée qu'on avait fait. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 7, vous faites une maille en l'air. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et 3. Et là, on fait dans la maille serrée suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une, deux, trois. Dans la maille serrée suivante, une augmentation. Et on va répéter ceci jusqu'à terminer le rang. Vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire ces 30 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, le rang numéro 9. Donc, on va unir déjà le 8 par une maille coulée. Le rang numéro 9, une maille en l'air
et on va venir faire 4 mailles serrées. Donc on fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la maille serrée suivante, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez ? 4 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 36 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 10, vous allez faire ces 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 11, on fait une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer tout votre rang. Donc de nouveau, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin de ce rang, vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 12 au rang numéro 19 inclus, vous allez faire ces 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 19, donc maintenant le rang numéro 20. On fait une maille en l'air, toujours de la même couleur. Et la séquence qu'il faut répéter tout le rang, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une diminution. Donc, rappelez-vous, on lève le brin avant des deux mailles suivantes. 1 et 2. On ramène le fil. On le fait passer à travers ces deux petites boucles. On ramène de nouveau le fil à travers les deux dernières boucles. Et là, on a fait la diminution. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et là, vous faites de nouveau une diminution. Donc, on lève le brin avant de la maille qui suit. On tourne un petit peu le crochet, on ramène le brin avant de la seconde maille. On ramène le fil, on le passe à travers ces deux petites boucles, un jeté et on termine les deux dernières petites boucles. Là, nous avons terminé de nouveau une deuxième séquence. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 21, vous allez faire les 36 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 22, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, ce sont 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, ce qu'on va faire, c'est une diminution. Donc exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous levez le brin avant des deux mailles suivantes, vous passez le fil et vous repassez le fil. Tout simplement. Donc ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 23, vous faites 3 mailles serrées, une diminution et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 24, vous faites 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 18 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 24, donc j'ai mes 18 mailles serrées, vous voyez. Et maintenant, avant que ça soit trop tard, on va venir rembourrer cette partie-là. Donc tout simplement, vous tirez un petit peu la boucle, vous mettez ça de côté et on prend la mousse. Donc vous prenez votre mousse petit à petit et on va venir rembourrer le trou. Donc n'oubliez pas, à partir du moment où on voit la mousse à travers les mailles, votre amigurumi est raté complètement. Donc il faut vraiment faire attention qu'on ne voit pas de trou dans l'amigurumi. Voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez, un corps bien rembourré, donc, vous voyez, ferme. Mais vraiment, les mailles ne doivent pas être écartées, vous voyez, regardez, on ne voit pas la mousse. Ça, c'est un amigurumi réussi. Si on voit la mousse, c'est raté. Donc vraiment, n'en mettez pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre ouvrage et on va faire le dernier rang du corps qui est très facile, vous allez voir. On fait une maille en l'air et on fait une maille serrée individuelle. Et là, on fait une diminution. Vous voyez exactement comme je vous ai montré. On lève le brin avant des deux mailles suivantes. On ramène le fil.
On ramène de nouveau le fil et on le fait passer à travers les deux boucles. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, parce que c'est rempli, hein, mais c'est très 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 faisable. Donc on continue, une maille serrée individuelle, et là vous faites une diminution. On lève le brin avant des deux mailles, et on fait notre diminution. Une maille serrée, une diminution. À la fin de ce rang numéro 25, vous aurez 12 mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, vous allez couper le fil, donc un bon morceau. Et on fait une maille en l'air et on tire le fil. Maintenant, on tire et on va passer donc le fil dans une aiguille à laine. Maintenant, vous allez venir piquer dans toutes les mailles que vous avez ici autour, vous voyez, donc les 12. Hein. Vous venez tout simplement passer l'aiguille à travers le brin avant de toutes les mailles. Donc vous allez faire ça, comme je vous disais, dans toutes vos mailles. Et vous allez voir que le trou va commencer à rétrécir, jusqu'à se fermer totalement. J'ai terminé de faire tout mon tour, regardez. Donc maintenant, quand on finit, on repasse par la première qu'on avait fait. Vous voyez? Maintenant, une fois qu'on est à ce stade, que le trou est complètement fermé, comme vous pouvez voir, vous faites un petit nœud. Donc ça, c'est le dessous de la poupée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose qui va se voir en permanence. Vous faites un petit nœud. Vous serrez bien. Vous piquez dans le corps. Et vous allez venir le ressortir plus loin. Vous tirez plus de la normale et vous coupez. Maintenant, avec l'aiguille, on repique ici dans les fesses, on va dire, et vous remettez tout bien en place. Et là, nous avons la partie du corps complètement terminée. Donc, je vais vous montrer les unions, elles sont là. Ces unions-là, donc moi je trouve que c'est quand même discret, surtout qu'il va y avoir la jupe ici. Et si vous les faites des cheveux, on verra pas. Moi personnellement, même si on voit, ça me dérange absolument pas. Voilà. Vous pouvez également le coudre ici, coudre un bras ici, vous voyez. Et comme ça, ça se verra pas du tout. Voilà. Donc le corps maintenant est complètement terminé. On va passer maintenant à la jupe. Et pour faire la jupe, personnellement, j'ai choisi la couleur orange. Voilà. Donc, regardez bien. Tout simplement, on va venir compter depuis la base, ici, 15 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une fois qu'on a repéré le 15e rang, on va venir passer le crochet comme ça dans le 15e. Vous voyez? Regardez. Là, c'est bon, on sait exactement où est le 15e. Donc on va venir ramener la nouvelle couleur. Et avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites, vous voyez, une maille en l'air que vous allez serrer et ça va vous faire un petit nœud. Vous voyez, on ajuste et on passe cette boucle par ici. Maintenant, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, vous allez voir que la partie jupe est vraiment, mais tellement facile. C'est tout, tout simple. Donc, vous allez, je vais vous zoomer un petit peu pour vraiment que vous voyez où je pique. Donc ici, dans ce rang-là où on vient de se rattacher, on a 42 mailles serrées. On va venir faire 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation, jusqu'à terminer. Donc regardez, ici, entre 7 mailles serrées et 7 mailles serrées, vous allez venir vous accrocher de nouveau, juste à côté, vous vous accrochez, et vous venez faire une bride. Là, j'en ai deux. Un jeté, je viens dans l'espace suivant, donc entre maille serrée et maille serrée, et je fais une bride. De nouveau, entre maille serrée et maille serrée, vous passez le crochet et vous faites de nouveau une bride. Un jeté, je viens juste à côté. Pareil, dans l'espace qu'il y a, je viens faire une bride.
une fois qu'on a 5 brides. Ici, de nouveau, donc un jeté. On vient dans l'espace suivant et là, je vais faire 2 brides au même endroit. Donc, je fais une. Et au même endroit, exactement au même endroit, je repique et je fais une deuxième bride. Vous voyez? Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. De nouveau, je tourne un petit peu et je continue. Donc, une bride. 2 brides. 5 brides. Après mes 5 brides, de nouveau, l'augmentation. Donc, je fais 2 brides au même endroit, dans l'espace suivant. Donc, une, et au même endroit, je fais ma deuxième. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé complètement. Maintenant, j'unis à la troisième maille en l'air de départ. Et je fais ma maille coulée. Maintenant, à ce moment-là, on va venir couper cette couleur-là. Donc, si vous voulez alterner comme moi j'ai fait, bien sûr, hein, mais ça, c'est vraiment au choix. Peut-être que vous avez d'autres idées et faites-les vraiment. Donc, moi, personnellement, je vais changer de couleur. Donc, une fois que j'ai uni, ce que je fais, c'est je fais une maille en l'air, vraiment, normalement, hein, comme quand c'est fini un ouvrage, et je tire. Ensuite, ce fil-là, je vais venir le cacher quand je vais travailler. Voilà. Donc, je prends une nouvelle couleur. Donc, je vais venir me rattacher exactement ici. Donc, ici, dans la troisième maille en l'air. Et je viens faire d'abord, avec la nouvelle couleur, comme d'habitude, une maille en l'air. Je l'ajuste et je la fais passer. Maintenant, je monte avec une, deux, trois mailles en l'air. Maintenant, ce que je vais venir faire, ça va être très facile. Je vais faire 6 brides individuelles. Et une augmentation. Donc, on continue en faisant une bride. Vous voyez, sur chaque bride. En cachant bien sûr les fils en même temps. Donc là, j'en ai 5. Je fais ma 6e. Maintenant, dans la maille qui suit, je fais une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter vraiment tout le rang. Donc, 6 brides individuelles, une augmentation, 6 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé le rang. Maintenant, tout simplement, on unit, vous voyez, la troisième maille en l'air. On vient piquer et on fait une maille coulée. Maintenant, exactement comme tout à l'heure, je fais une maille en l'air. Je coupe la couleur, donc dans mon cas le vert, et je tire. Maintenant, je vais venir rattacher une nouvelle couleur à cet endroit-là. Donc, je vais prendre pour moi le rose fuchsia. Voilà. L'idée est de faire un petit peu multicolore, comme ça, comme un peu Colombie, tout ça. Donc, moi, c'est mon idée à moi. Donc maintenant, je viens me rattacher exactement à la troisième maille en l'air, comme tout à l'heure. Et avant, bien sûr, je fais, vous voyez, ma maille en l'air, que je viens tirer pour former mon petit nœud. Je viens passer ce petit nœud ici, et je commence à travailler. Donc tous les fils là, vous essayez de les cacher fur et à mesure. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air. Et maintenant, la séquence qu'il faut faire, c'est 7 brides individuelles. Donc là, c'est facile à travailler par rapport à tout à l'heure, puisqu'on a déjà avancé en centimètres. C'est plus facile de le tenir dans la main. Donc on continue. 3. 4. 5, 6 et 7 brides. Et maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation.
une et deux brides au même endroit. Vous voyez? Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Ensuite, le rang numéro 4, ça va être exactement pareil. Vous coupez si vous voulez changer de couleur, vous rattachez comme on vient de faire tout le temps. Et ensuite, la séquence sera 8 mailles, 8 brides individuelles et une augmentation. Ensuite, le rang d'après, 9 brides individuelles et une augmentation, 10 brides, une augmentation. Et vous faites le nombre de rangs que vous avez envie. Donc, je vais vous dire combien de rangs, moi, je fais pour ce modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à 6, je m'arrête, puisque quand je la mets debout, on ne voit plus la partie d'en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de rangs que moi, j'ai voulu faire. Voilà. Vous pouvez évidemment faire un rang de plus, voilà. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, quand vous avez terminé vos 6 rangs, vous coupez. Vous venez faire une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, il faudra le cacher dans la robe. Vous voyez, passer à travers la robe et vous le cachez. Donc une fois qu'on en arrive là, vous voyez, la robe est complètement terminée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va passer au bras. C'est au bras, donc pour faire le bras, vous faites un nœud coulant. On le fixe avec une maille en l'air, donc de la couleur peau. Puisque là, on va faire sa main. Ensuite, à l'intérieur, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 2, 5, 6. Maintenant, le nœud coulant va venir donc le fermer. Une fois que le nœud coulant est fermé, vous allez venir tout simplement faire une maille coulée à la base. Là, nous avons terminé le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2, vous faites une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée individuelle et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Donc une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous aurez 9 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 2 avec mes 9 mailles serrées, maintenant unies par une maille coulée. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il vous faut répéter, c'est deux mailles serrées individuelles, une et deux. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète. Deux mailles serrées individuelles et dans la maille serrée suivante, une augmentation. De nouveau, une, deux. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. À la fin du rang, vous unissez à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Et là, nous avons 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 1. 2, 3. Et dans la maille serrée suivante, de nouveau, 2 mailles serrées. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Et là, on termine donc ce rang-là avec 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 5, on va faire ces 15 mailles serrées individuelles. Donc, on commence en faisant une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans toutes les mailles. Donc ça, c'est le rang numéro 5. J'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, on fait une maille coulée, comme ceci. Le rang numéro 6, on fait une maille en l'air. Et la séquence qu'il vous faut répéter, c'est 3 mailles serrées. Donc 1, 2, et là, on fait une diminution. Donc en soulevant le bras avant des deux mailles suivantes. Et de nouveau, une, deux, trois mailles serrées. Et de nouveau, une diminution.
on répète ça une troisième fois. Donc, une, deux, trois. Et là, on termine en faisant notre dernière diminution. Donc, en prenant le brin avant des deux mailles suivantes. Maintenant, on unit le rang numéro 6 par une maille coulée, ici dans la première maille serrée du rang. Maintenant, après ça, vous allez faire une maille en l'air et vous allez venir couper cette couleur-là. Et tirer. Le fil du nœud coulant, comme ça fait un bon moment qu'on travaille, on peut le couper pour pas qu'il nous dérange. Voilà, ça c'est la petite main de la poupée. Maintenant vous allez vous accrocher la nouvelle couleur. Donc moi dans mon cas, vu que le thème de ma poupée c'est violet, je vais prendre du violet. J'ai récupéré ma nouvelle couleur, donc le violet, et on va venir donc s'accrocher à la main. Donc on prend la main comme ceci et on vient s'accrocher exactement ici dans la première maille serrée. Avant de venir avec la nouvelle couleur, on fait une maille en l'air avec la nouvelle couleur. On serre, ça nous a fait une petite boucle. Cette petite boucle, on la passe. Maintenant, on fait une maille en l'air et on commence à travailler. En cachant les deux couleurs, vous voyez? Les deux couleurs, là, vous les mettez dans la main gauche. Et on commence à travailler. Donc tout simplement, durant 7 au 17 inclus, on va faire les mailles serrées que l'on a. Donc les 12. Vous voyez? Les 12 mailles serrées individuelles. Quand on termine le rang, vous faites une maille coulée et de nouveau une maille en l'air, etc. À la fin du rang, vous piquez dans la première maille serrée et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et c'est reparti. Comme ça, jusqu'au rang numéro 17 inclus. J'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre, c'est deux mailles serrées individuelles. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, en levant le brin avant des deux mailles suivantes. Et de nouveau, deux mailles serrées, une et deux. Et de nouveau, une diminution. Et on va faire ceci jusqu'à terminer complètement. J'ai terminé le rang. Maintenant, vous avez juste qu'à unir à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Le rang numéro 19, avant de le faire, ce qu'on va venir faire, c'est mettre un petit peu de watt. Donc ça, vous pouvez le faire au rang, donc même le rang précédent, si vous voulez. Si vous avez des gros doigts, vous prenez petit à petit et vous allez remplir le brin. Comme ceci. Donc on s'enlève et à l'aide du crochet, vous poussez un petit peu la mousse vers la main. Comme ceci, et vous en remettez un petit peu. Alors le haut du bras, ce qui va aller cousu contre le corps, il doit pas être rempli, vous voyez. Donc je vais prendre un crochet un peu plus gros, et avec le crochet un petit peu plus gros, j'enfonce. Voilà. Quand vous avez une texture comme ça, regardez. Vous avez la main bien remplie et tout le reste un peu mou et le haut vide. Vous voyez? C'est comme ça que doit être le bras. Donc là, à ce moment-là, on passe au dernier rang. Donc le dernier rang, il est très facile. Donc je unis de nouveau le rang, ça c'était des défaits. Et maintenant, le rang 19, c'est une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle et une diminution. De nouveau, une maille serrée individuelle et une diminution. Une maille serrée individuelle. Et là, vous faites votre dernière diminution. Et maintenant, vous unissez par une maille coulée au départ. Une maille en l'air, vous coupez,
Donc un bon morceau, rappelez-vous, on va le coudre au corps. Et vous tirez. Là, nous avons un bras de préparé. On va commencer les chaussures. Donc peu importe la couleur que vous ayez choisie. Donc les chaussures, en faisant une maille chaînette de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a les 7 mailles, on va venir compter depuis le crochet 1 et 2. Dans la deuxième, on va venir piquer et faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Maintenant, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille, on vient piquer et on fait 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir tourner légèrement notre ouvrage et on va venir travailler en face des 4 qu'on avait fait. Donc on vient et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, je cache mon fil en même temps, 3 et la quatrième. Une fois qu'on a fait donc ceci, on a juste qu'à unir à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Le deuxième rang, on monte avec une maille en l'air et on va venir faire une augmentation dans les 3 mailles serrées qui suivent, tout simplement. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille, dans la première, dans la deuxième et dans la troisième. 1, 2. Maintenant, on va travailler donc en maille serrée individuelle jusqu'à arriver aux 3 de l'autre côté. Donc toujours 4. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Là, j'arrive de l'autre côté où il y a mes autres 3. Dans les autres 3, je vais faire exactement la même chose. Une augmentation sur chaque maille. Donc 2 mailles serrées au même endroit sur les 3. 1, et 2 mailles serrées, 1 et 2 mailles serrées. Donc là, au total, mes 3 augmentations. 1, 2, 3. Et maintenant, je termine le rang en faisant 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et ma dernière, ma quatrième. Une fois qu'on arrive ici, on doit unir par une maille coulée. Donc vous venez piquer et vous faites votre maille coulée. Là, on a terminé le deuxième rang de la semelle. Le troisième rang de la semelle, on commence en levant 2 mailles qui équivaut à une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, ici, par-dessus, je viens faire une augmentation de demi-bride. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Donc là, on vient de faire une augmentation. On va revenir faire 3 autres augmentations. Au total, on en aura 4. Donc on continue dans la maille serrée suivante, 2 demi-brides, 1 et 2. Je vais dans la maille serrée suivante et de nouveau, 1, au même endroit, une deuxième. Dans la maille serrée suivante, 1 et 2 demi-brides. Donc là, ça y est, j'ai mes 4 augmentations. Je termine la séquence ici de la chaussure, donc ici de la partie ronde, en faisant une demi-bride normale. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc les 2 mailles en l'air, 4 augmentations de demi-bride et une demi-bride individuelle, à partir de là, je termine tout mon rang en maille serrée normale. Donc dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Tout simplement. J'ai terminé toutes les mailles serrées. Maintenant, on unit à la deuxième maille en l'air qu'on avait fait au départ. Vous piquez dans la deuxième maille et vous faites votre maille coulée. Et là, nous avons terminé ce qui est la semelle de la chaussure. Donc, je vais vous montrer
une chaussure avec une jambe terminée. Donc je me suis avancée, j'ai fait mon autre petite chaussure avec ma jambe. Et là, on vient de terminer cette partie-là, vous voyez? Donc les trois rangs, 1, 2, 3. Maintenant, on va passer au rang, vous voyez? Où on va travailler les mailles serrées en prenant le brin arrière de chaque maille. Donc là, tout de suite, nous avons 24 mailles. Tout simplement, on monte avec une maille en l'air et on va faire une maille serrée, vous voyez? Dans chaque maille, mais en prenant le brin arrière, vous voyez, de chaque maille. Regardez, ici j'ai deux brins, ça fait 1, 2. Je prends toujours celui de derrière et je fais ma maille serrée. Vous voyez, je vais dans le suivant et je fais exactement pareil. Donc c'est vraiment facile. J'ai terminé mon rang, donc maintenant on unit à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant le deuxième rang de cette partie-là, vous voyez, donc là on a terminé, regardez, le quatrième rang. Le cinquième, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille, mais en prenant les deux brins cette fois-ci, vous voyez, vraiment entièrement, donc que des mailles serrées individuelles. Une fois qu'on a terminé, on fait tout simplement une maille coulée dans la première maille serrée de départ, comme ceci. Là on a terminé le rang numéro 5. Maintenant le rang numéro 6, vous allez faire une maille en l'air, une maille serrée individuelle. Et là, on va faire 4 diminutions d'affilée. Donc les diminutions, comme pour le reste de la poupée, hein, il n'y a vraiment aucun changement. Vous levez le brin avant, vous voyez, des deux mailles suivantes. Et vous faites une maille serrée, de nouveau. Je lève les deux brins avant et je fais ma maille serrée. Ça fait 2. On fait une troisième diminution. Et une quatrième. Et maintenant, on n'a juste qu'à terminer le rang maille serrée. Et on aura à la fin de ce rang, donc numéro 6, 20 mailles serrées. À la fin du rang, j'unis par une maille coulée. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir, voyez, pour l'instant. Maintenant, le rang numéro 7, vous faites une maille en l'air et c'est très facile, vous devez faire une maille serrée sur chaque maille. Donc au total, vous en aurez 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à avoir les 20. À la fin du rang, on unit par une maille coulée à la première maille serrée qu'on avait fait au départ. Vous voyez? Maintenant, le rang numéro 8, on va faire une maille en l'air et on va faire 3 diminutions au départ. Donc directement là, on enchaîne, on fait 3 diminutions. Donc 1, 2 et 3 diminutions. Et maintenant, après ça, vous terminez en maille serrée tout à fait normalement. 2, 3... Comme ça, jusqu'à terminer. Et là, tout de suite, on a 17 mailles serrées. À la fin du rang, on termine en faisant une maille coulée à la première maille serrée de départ. Et à la fin du rang numéro 8, nous avons 17 mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le petit morceau qu'il y a au point élastique. Donc maintenant, on va venir faire la partie au point élastique. Et le point élastique est multiple de 2, donc... Avec 17 mailles, ce n'est pas possible. C'est très très simple ce qu'on va venir faire. Ce sont 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même, vraiment dans la première maille serrée, vous faites une deuxième bride. Vous voyez? Et maintenant, dans chaque maille, une bride individuelle. Et au total, à la fin de ce rang, vous aurez 18 brides. Qui sera parfait pour travailler le point élastique. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer. J'ai terminé. Maintenant, on unit à la troisième maille en l'air. Donc, vous piquez dans la troisième maille et vous faites une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est commencer le point élastique. Parce que là, on a fait un rang de bride. Pour lui donner forme, vous allez commencer de cette façon-là. Vous avez les 3 mailles en l'air ici. Vous voyez? Ces 3 mailles en l'air, on va venir tout simplement les envelopper par devant.
Donc vous venez les envelopper par devant, vous prenez votre fil, vous le ramenez et vous faites une maille coulée. Ça, c'est une astuce que je vous donne à chaque fois parce que c'est vrai, il n'y a plus de démarcation. Donc maintenant, une, deux et trois mailles en l'air. Là, c'est comme si on avait fait une bride en relief par devant. Maintenant, la bride suivante, vous allez la prendre en relief par derrière. Et vous faites votre bride en relief par derrière. La bride suivante, vous l'enveloppez en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant. De nouveau, on alterne une bride en relief, vous voyez, par derrière. Une bride en relief par devant. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à terminer en fait tout votre tour. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant on unit à la troisième maille en l'air, pareil, par une maille coulée. Et on va venir répéter le rang numéro 2. Donc vous venez envelopper les trois mailles en l'air, vous ramenez le fil, vous voyez, et vous faites votre maille coulée. Maintenant, une, deux et trois mailles en l'air. Et vous venez alterner une bride en relief, donc la suivante qui était en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière et vous la faites en relief par derrière. La suivante était en relief par devant, vous la prenez en relief par devant et vous la faites en relief par devant. Une en relief par derrière, une en relief par devant. Comme ça jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé mon rang, maintenant on unit. À la troisième maille en l'air, vous piquez, vous voyez, et vous faites une maille coulée, tout simplement. Maintenant vous faites une maille en l'air. Et on va venir couper, coup de fil, hein, vraiment pas beaucoup, hein, on va le cacher de toute façon. Et vous tirez. Là, nous avons terminé la petite boutte. Donc, il ne vous reste plus qu'à en faire exactement donc une deuxième identique. Vous voyez? Donc maintenant, on va venir quand même et je vais vous montrer qu'il faut la rembourrer un petit peu. Donc, vous ne prenez pas beaucoup de mousse et vous venez rembourrer tout ça. Donner la forme d'un pied en fait, puisqu'il n'y aura pas de pied de la poupée dedans en fait. On va faire que la jambe et la coudre. Donc, on va venir mettre la mousse en lui donnant une jolie forme de boots. Vous voyez? Et vous avez une boots terminée. Donc, vous faites la seconde à l'identique et on se retrouve. On va passer maintenant à la jambe. Donc, pour faire les jambes, vous faites un nœud coulant comme d'habitude. Et vous allez faire une maille en l'air. Donc personnellement, j'ai fait des unions aussi, mais vous pouvez le faire en spirale. Donc dedans le nœud coulant, ce qu'on va venir faire, c'est faire 4 mailles serrées. Donc une, deux, trois, quatre. Une fois qu'on a les 4, on vient serrer le nœud coulant, vous voyez. Et on va venir, donc dans mon cas, unir par une maille coulée à la première maille serrée du rang. Donc là, comme il n'y en a que 4, ça va être un petit peu serré, c'est normal. Le rang numéro 2, vous faites une maille en l'air et une augmentation dans toutes vos mailles. Donc dans les 4 que vous avez, vous faites une augmentation sur chacune. Deux mailles serrées sur chacune des 4 mailles serrées que l'on a. Une fois qu'on a terminé le rang numéro 2, vous voyez les 4 augmentations, on vient unir par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air et on va de nouveau faire que des augmentations dans toutes les mailles. Donc, on continue. Dans les 8 mailles qu'on a, on va faire tout simplement une augmentation sur chacune. Et on aura 16 mailles serrées. Deux mailles serrées dans chaque maille. J'ai terminé, maintenant j'unis par une maille coulée ici à la première maille serrée que l'on a de départ. Maintenant c'est tout simple, vous allez voir. On va faire tout simplement du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 16 une maille serrée individuelle sur chaque maille. Donc une maille en l'air et dans chaque maille vous faites une maille serrée individuelle. Donc les 16 au total, vous allez les travailler normalement. Vous voyez? Donc jusqu'au rang numéro 16 inclus.
vous faites que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. À la fin du rang, vous unissez par une maille coulée et vous recommencez le rang suivant avec une maille en l'air et une maille serrée individuelle sur chaque maille. Rien de difficile. Donc on va unir et commencer le nouveau rang ensemble, vous voyez. Donc là, je viens de terminer le rang numéro 4 et j'unis par une maille coulée. Le rang numéro 5, une maille en l'air et dans toutes les mailles de nouveau, une maille serrée individuelle. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à avoir les 16 rangs. J'ai terminé de faire mes 16 rangs au total. Maintenant, vous prenez et vous coupez. Une maille en l'air et on tire. Le morceau que vous coupez, vous le coupez assez long pour pouvoir coudre la jambe au corps. Voilà. Donc là, nous avons fait la jambe. La jambe, vous allez la remplir un petit peu. Donc, pas trop. Hein. Faut pas, vraiment pas trop qu'elle soit remplie. Je vais vous montrer comment faire. Vous mettez donc pas mal de mousse vers le bas. Vous tirez un petit peu comme ça de la jambe. Voilà. Une fois que c'est rempli, vous allez rouler comme un boudin cette partie-là. Il faut qu'elle soit remplie, mais quand même qu'elle reste souple. Vous voyez, il ne faut pas non plus que ça fasse un bâtonnet tout dur. Donc une fois qu'on a ça, vous prenez la chaussure qu'on avait fait tout à l'heure et vous allez rentrer, donc vous élargissez un petit peu la chaussure et vous allez rentrer la jambe dedans. Donc vous la rentrez légèrement et quand vous avez ce résultat-là, vous allez coudre la chaussure à la jambe. Regardez. Donc au total, on doit voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. 11 rangs, il faut qu'on voit. Donc là, vous contrôlez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, vous allez coudre. Vous voyez? Et on a donc deux jambes identiques. Donc, vous allez prendre le fil violet. Donc, si vous avez fait comme moi, évidemment. Hein. Mais je veux dire, le fil de la couleur de la chaussure. Vous coupez un morceau. Vous placez le morceau dans une aiguille Allen. Et vous faites un nœud en bas. Une fois qu'il y a le nœud en bas, vous venez donc toujours maintenir les 11 rangs apparents. Il faut vraiment qu'on les voit. Il faut que les deux jambes soient pareilles. Et vous allez venir piquer dans la semelle en bas. Et venir ressortir en piquant la jambe. Vous la sentez la jambe. Et en ressortant à côté de la chaussure. Une fois que vous en êtes là, sans bouger évidemment les rangs qu'on doit avoir de la jambe, vous allez faire des allers-retours. Donc vous faites bien attention de ne pas déformer la botte. Et vous faites des allers-retours en transperçant la jambe. Vous voyez? Et vous atterrissez de l'autre côté. Vous tirez de nouveau. Vous allez un petit peu plus loin. Et vous ressortez. Maintenant, on va se placer un petit peu plus ici. Et pareil. Vous piquez, vous ressortez en face. Et vous allez faire ceci jusqu'à que vous soyez sûr en fait que tout bien, que la jambe en fait elle est bien cousue à la chaussure. Donc quand vous tirez comme ça, tirez doucement. Il ne faut surtout pas déformer en fait la botte. Voilà. Donc moi je vais continuer un petit peu. N'hésitez pas à faire plusieurs tours. Hein. Une fois que tout est bien cousu, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est piquer, vous voyez, à travers la chaussure et sortir le fil vers le bas. Vous voyez? Et la jambe sera terminée. On va commencer les cheveux. Donc moi j'ai choisi de prendre marron. J'ai l'impression que vous allez mieux voir que si je prends noir. Donc moi la première poupée avait les cheveux noirs. Là elle va avoir les cheveux marrons. Donc on commence en faisant un nœud coulant. De toute façon si vous avez fait toute la poupée avec moi, vous connaissez tous les rangs que je vais vous énoncer. Vous les avez fait même si c'est que pour le corps ou pour la tête. Donc vous faites un nœud coulant, vous le bloquez avec une maille, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc on commence. 1. 2. 3.
4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6 mailles serrées, vous venez serrer le nœud coulant bien fort pour fermer le nœud coulant. Maintenant, vous allez venir piquer dans la première maille serrée de départ et vous faites votre maille coulée. Le deuxième rang, très facile, vous allez faire une augmentation dans toutes les mailles. Donc on commence en faisant une maille en l'air et une maille serrée et deux mailles serrées dans la même maille à chaque fois. Je vais dans la maille serrée suivante et je fais pareil. Deux mailles serrées au même endroit. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut faire tout votre rang. Deux mailles serrées dans la même maille. Donc, j'ai choisi de travailler avec des mailles coulées, donc des unions, puisque franchement, comme c'est une couleur foncée, ça ne se verra quasiment pas. Donc, on continue. Une et deux mailles serrées. Maintenant, on va venir piquer dans la première maille serrée et faire une maille coulée. Le troisième rang, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il vous faut répéter, c'est une maille serrée individuelle, dans la maille serrée suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille serrée suivante, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 48 mailles serrées. Et ensuite, du rang 9 à 14, vous allez faire les 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé complètement, donc vous voyez, mes cheveux. Donc ça va être ce qui va faire donc l'illusion des cheveux. On va venir couper le fil. Maintenant, on vient faire donc une maille en l'air. Et vous tirez. Voyez, là c'est terminé. Donc vous coupez un bon morceau puisqu'on va coudre avec. Donc cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais vous apprendre à faire les chignons si vous voulez faire deux chignons comme moi j'avais fait pour la poupée bleue. Voilà. Pour faire les chignons, donc on va faire un nœud coulant et on va fixer ce nœud coulant par une maille en l'air. Vous voyez, rien de particulier. Dedans, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud coulant et on va venir unir par une maille coulée. Comme je vous disais, si vous faites une couleur claire de cheveux, vous faites en spirale, ça sera plus joli. Par contre, si vous faites une couleur marron ou noire, ça ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, une maille en l'air et on fait des augmentations dans toutes les mailles. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de ce rang, on aura 12 mailles serrées. À la fin du rang, on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air, une maille serrée et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang numéro 3 où vous aurez 18 mailles serrées. J'ai uni le rang numéro 3, maintenant le rang numéro 4, vous faites une maille en l'air et on va faire deux mailles serrées individuelles, une, deux, et dans la maille serrée suivante, vous faites une augmentation, deux mailles serrées dans la même maille, et de nouveau, une et deux, et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Ça, c'est ce que vous allez répéter tout le rang où vous aurez 24 mailles serrées.
J'ai terminé le rang numéro 4, donc on termine par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 5, vous allez faire ces 24 mailles serrées individuelles, donc une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de particulier. Une maille serrée dans toutes les mailles. J'ai terminé le rang numéro 5 avec mes 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 6, on fait une maille en l'air. Et la séquence qu'on va répéter tout le rang, ça va être deux mailles serrées, donc individuelles, une et deux. Et là, on fait une diminution. Donc, on soulève le brin avant des deux mailles suivantes. On ramène le fil, on le passe à travers les deux petites boucles. Un jeté et on termine. Et de nouveau, deux mailles serrées individuelles et une diminution. Et on va répéter ceci jusqu'à terminer le rang où on aura 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Vous voyez le rang numéro 6. Voilà la forme que vous devez obtenir. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée du rang. Vous piquez et vous ramenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, le dernier rang qui est le rang numéro 7. On va venir faire tout simplement une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc au total, 18. À la fin du rang, on unit par une maille coulée. Maintenant, là oui, on a terminé complètement le petit chignon. Donc, on va venir tout simplement couper le fil, une maille en l'air comme d'habitude, et on tire. Vous avez votre petit chignon de terminé, vous voyez? Et en fait, si vous en voulez deux, vous en faites deux, un deuxième, et vous les cousez. Tout simplement. Donc là, on a appris à faire les chignons. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les bouclettes, mais je vais prendre un fil plus clair. Pour faire les bouclettes, ça va être très facile, vous allez voir. Vous allez prendre, donc, la couleur de votre choix. Là, j'ai pris jaune. Si vous voulez la faire blonde, prenez cette couleur. Donc ensuite, vous tournez autour de vos doigts et vous faites une maille que vous allez tirer. Ça va nous faire un petit nœud. Et maintenant, on va faire une maille chaînette. Donc tout ce qu'il y a de plus simple. Donc la maille chaînette, vous la faites aussi longue que vous voulez en sachant que en faisant les frisettes, ça va raccourcir. Donc c'est-à-dire que si vous faites par exemple une maille chaînette comme ceci, on va dire un exemple. À la fin, ça sera beaucoup plus court la bouclette. Vous voyez? Donc prenez ça en compte. Donc on va continuer. Voilà, donc moi c'est juste un petit exemple, donc je m'arrête ici. Regardez. Vous avez juste à faire, vous comptez pas, ça ne sert à rien de compter vraiment vos mailles. Sauf si vous voulez faire toutes les bouclettes de la même longueur. Donc là oui, comptez-le une fois et comme ça vous êtes tranquille. Donc une fois que vous avez la chaînette de votre choix, vous allez compter depuis le crochet, 1, 2, dans la deuxième vous venez et vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. 2, et toujours au même endroit, une troisième. Maintenant vous allez dans la maille suivante, d'affilée comme ça, et vous refaites 3 mailles serrées au même endroit. 2, 3, et de nouveau dans la suivante. 1, 2, et au même endroit, une troisième. Et on continue ainsi dans toutes les mailles en faisant 3 mailles serrées dans toutes les mailles chaînettes que vous avez fait en fait au départ. Et la bouclette, vous allez voir, va se former toute seule. Vous n'avez rien d'autre à faire à part faire ces 3 mailles serrées dans chaque maille. Donc je vais continuer un petit peu avec vous et vous allez voir la bouclette qui prend forme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la bouclette, vous voyez, se forme. Donc une fois que c'est bon, vous allez lui donner la forme en fait. C'est vous qui faites comme ça et la bouclette est prête. Vous voyez, vous continuez et ça va vous former en fait vos bouclettes. Vous en faites plusieurs, autant que vous voulez. Si vous les voulez moins frisées, vous faites 2 mailles dans chaque maille. Vous voyez, 2 mailles serrées dans chaque maille. À vous de voir. Vous pouvez en faire 3. Voilà, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment cette tactique-là qui va nous servir pour faire les boucles. Vous voyez?
J'ai terminé, vous voyez, ma chaînette, juste pour que vous voyez en fait ce que ça donne. Vous voyez la frisette comme elle est jolie? Et ça reste comme ça, ça lui fait des petites bouclettes. Vous pouvez en mettre plein sur la tête, ça fera super joli. Donc à la fin, quand vous aurez terminé votre bouclette, vous faites une maille en l'air. Vous coupez donc un bon petit morceau, puisque vous allez devoir coudre la bouclette à la tête. Et vous tirez, vous voyez? Le fil de départ, vous le cachez tout simplement, vous voyez, dans votre ouvrage. Et vous gardez le long fil que vous avez coupé à la fin. Ensuite, vous prenez votre petite poupée et vous lui cousez ça sur la tête. Mais que vous ayez fait des frisettes, que vous ayez fait des chignons, faites toujours votre base en fait pour la tête. Ça fera opaque. Voilà, ça fera opaque. On ne verra pas ça, on ne le verra pas. Mais par contre, comme ce sera la même couleur que par exemple les frisettes en jaune, si vous avez fait une blonde, là, en fait, on ne verra plus la couleur chair de la peau. Ce qui fera beaucoup plus joli pour terminer. Voilà. Donc là, nous avons appris à faire les petites bouclettes. Maintenant, je vais vous apprendre à faire. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour faire le gros chignon. Donc, le gros chignon, vous allez faire. Le rang numéro 1, c'est 6 mailles serrées dans le nœud coulant. On tire. Ensuite, le rang numéro 2, c'est une augmentation dans toutes les mailles. Donc, on aura 12 mailles serrées. Le rang 3, une maille serrée, une augmentation, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et on aura 30 mailles serrées. Le rang 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 7 et 8, vous allez faire ces 36 mailles serrées individuelles. Le rang 9, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 30 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 10, 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 24 mailles serrées. Et le rang 11, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles, et là, vous coupez. Et vous aurez la taille grande du chignon. Donc là, vous avez une photo de ce que je vois moi. Donc j'ai tous les morceaux prêts pour assembler. J'ai les jambes, j'ai le corps, les bras, la tête, les cheveux, enfin un peu tout. Voilà donc tout ce que vous devez obtenir à ce moment-là. Voilà. Donc maintenant, oui, on va passer à l'assemblage. Maintenant, vous allez prendre la tête et vous allez prendre donc ses cheveux. Donc ça, on va le placer d'une façon, donc c'est comme un bonnet en fait, hein. Vous allez le placer d'une façon qu'ici au-dessus des yeux, il doit avoir deux rangs. Donc on compte 1, 2. Vous voyez? Et ça doit descendre sur le côté des joues, voyez, de l'autre côté pareil, ça ne va pas faire comme une coupe au bol, mais plutôt comme ça, voyez, voilà, ça doit descendre légèrement, mais ça, en même temps qu'on coud, on va lui donner une jolie forme. Donc là, il doit avoir deux rangs au-dessus des yeux, voyez, comme ça, donc deux rangs, et ici, le troisième qui apparaît un petit peu, vous le voyez ici en fait. Ici, vous comptez 1, 2, et là, au milieu, il doit avoir 3 rangs, vous voyez? Et là, de nouveau, 2. Voilà la forme que doit avoir ses cheveux. Donc, vous allez vous munir d'une aiguille à laine. Vous allez passer le coton à l'intérieur. Et vous allez commencer à coudre. Donc, pour coudre, c'est très facile. Vous plantez dans la couleur marron. Et vous allez attraper un morceau de la tête en même temps. Et vous ressortez un peu plus loin. Comme ceci. Maintenant, vous allez un petit peu plus loin. Vous attrapez un petit peu de tête. Et vous ressortez. Vous voyez? Pas la peine d'être super collé quand vous cousez. Vous voyez? Vous pouvez avancer de beaucoup d'un coup. C'est juste que ça doit bien tenir. Maintenant, on continue. En même temps que vous cousez, donc là je dois me refaire un fil, il était trop court. Mais en même temps que vous cousez, regardez bien que la forme que je vous ai dit à la base soit maintenue. Donc ça c'est important, vous voyez? Donc vous continuez de faire tout votre tour et on se retrouve. J'ai terminé de tout coudre et quand j'ai fini, j'ai fait un tout petit nœud et je suis sortie plus loin, vous voyez, dans l'ouvrage. Et j'ai tiré. Maintenant je coupe mon fil.
Si vous faites des amigurumis souvent avec moi, vous connaissez toutes ces étapes par cœur. Je les filme vraiment très souvent, quasiment dans tous les tutoriels. Donc, une fois qu'on a cousu les cheveux et tout, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir tout simplement lui coudre le chignon. Donc, moi, personnellement, comme je vous disais, j'ai fait le gros chignon que je vous ai dicté tout à l'heure. Il est très facile. Et on va venir le coudre dans sa tête. Voilà, dans ses cheveux. Donc, vous pouvez le coudre plus en haut, comme ça, sur le côté. Enfin, vraiment à vous de voir. Moi, je trouve que ici, vous voyez bien en évidence en haut, c'est très bien. Vraiment au centre, en fait, ici où il y a le nœud coulant. Voilà. Moi, c'est ici que je vais lui mettre le chignon. Voilà. Si c'est pas, si vous faites, par exemple, une mamie et que cette petite poupée, en fait, se transforme en grand-mère, ça serait mieux de le mettre un peu plus derrière, vous voyez? Souvent, les mamies ont un chignon derrière la tête, en fait, et pas en haut. Voilà. Mais là, mon idée, c'est comme une petite fille, donc je vais lui mettre comme ça. Voilà. Donc, vous, le principe, c'est le même. Hein, vous mettez de la mousse dans le chignon. Vous plaquez exactement là où il y a le nœud coulant. Et vous allez coudre en maintenant bien la forme comme celle-là, vous voyez. Il ne faut pas déformer. Un petit morceau de cette partie-là et un petit morceau du chignon. Une petite partie de la tête, une petite partie du chignon. Ainsi de suite jusqu'à avoir cousu tout le chignon. J'ai terminé de coudre le chignon, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, tout simplement, comme d'habitude, vous faites un petit nœud là où vous avez terminé, le plus discret possible. Et maintenant, vous allez enfoncer votre aiguille et sortir d'un autre côté, vous voyez? Vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Vous remettez bien en place le chignon. Et voilà. Alors maintenant, ce que je vais venir faire moi sur son chignon, c'est ça. Ici, j'ai fait une maille chaînette avec le crochet 2,5 et avec du coton violet et du coton orange. Vous voyez, en même temps, voilà ce que ça a donné. C'est pour rappeler un petit peu ses couleurs. Et j'ai fait 55 mailles chaînettes. Donc au moment de rouler, vous voyez, la ficelle, vous la mettez comme ça. Maintenant, vous allez faire le tour. Vous appuyez, n'hésitez pas hein, de serrer. C'est pour bien délimiter le chignon, vous voyez. De nouveau un tour. Et quand on atterrit de l'autre côté, vous faites un nœud. Une fois qu'on a fait le nœud, tout simplement ces morceaux-là, vous allez piquer également avec une aiguille à laine et vous allez les cacher dans la tête, qu'ils ne se voient plus. Vous voyez? Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc vous remettez tout correctement, vous voyez? Et voilà mon rappel à la robe. Vous pouvez mettre plein d'autres rappels, hein, vous n'êtes pas obligé de me faire une chaînette. Vous pouvez avoir ce genre de choses, regardez, je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez ça? Et quand vous le mettez, en fait, ça fait une jolie décoration. Voilà. À vous de voir comment vous allez décorer votre poupée. Hein. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est coudre la tête au corps. Maintenant, on va venir prendre la tête, vous voyez, et la coudre ici, dans cette partie-là. Et vous cousez. D'une façon que la tête reste bien debout. Vous voyez, elle ne doit pas être... qu'elle puisse bouger. Elle doit être bien cousue au corps. Vous prenez un petit morceau du corps, un petit morceau de la tête. Un petit morceau du corps et un petit morceau de la tête. Vous allez coudre donc votre tête et on se retrouve. Une fois qu'on a cousu la tête au corps, voilà ce que ça doit vous donner pour l'instant, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est les bras. Donc vous allez prendre les deux bras et vous allez les mettre, vous voyez. Je vais essayer de l'allonger, comme ça vous voyez mieux. Un bras à gauche, mais très attention, donnez-lui une forme de bras d'abord. Regardez, vous regardez où il y a les unions, si vous avez fait comme moi, elles sont là. Et ça, ça va aller vers son corps, comme ça, ça ne se verra pas. Et il faut que ça soit cette forme, regardez. Ici, c'est vide, rappelez-vous. Vous voyez, c'est vide. Donc, vous prenez la poupée, vous lui mettez
Donc vous la mettez bien face à vous. Il faut vraiment que les yeux soient face à vous. Et vous allez lui coudre, mais dans la couleur violet, évidemment. Parce que si vous lui cousez dans la couleur peau, ça fait complètement faux. Donc vraiment ici sur le violet. Et vous lui donnez donc la forme que vous voulez qu'est son bras. Une fois que c'est positionné, vous commencez à coudre. Donc vous allez prendre tout simplement un morceau du corps. Donc on prend notre temps avant de le faire pour que ça soit bien fait. Et on commence à coudre un morceau du corps et ensuite un morceau du bras. Un morceau du corps, un morceau du bras jusqu'à terminer de l'avoir cousu. Vous voyez ? Et quand vous aurez fini ce bras-là, vous faites exactement pareil avec le deuxième. Donc vous la mettez bien en face, vous le cousez également. J'ai terminé, voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, vous cousez dans la couleur assortie au bras, très important. Maintenant, vous lui retroussez la jupe et vous allez venir lui coudre les jambes. Donc tout simplement, moi ce que j'ai trouvé joli pour la première poupée, c'est de lui mettre que quand elle s'assoit en fait, elle ait les jambes un petit peu qui s'ouvrent comme ça. Donc une comme ça. Et la deuxième, pareil. Vous voyez ? Et en fait, ça fait super joli au moment qu'elle est assise. Vous voyez ? Qu'on voit ses jambes un peu ouvertes. Donc tout simplement, vous allez venir lui placer les jambes. Donc celle-ci qui a un fil. Je lui place bien correctement ici. Et je commence à coudre. Donc la chaussure, ce qui est chaussure, il faut vraiment, vraiment que ça soit bien mis. Hein. Ne vous trompez pas. Et on commence donc à coudre. Donc vous prenez un petit morceau de la jambe et un petit morceau du corps. Un petit morceau de la jambe et un petit morceau du corps. Ensuite, quand vous arrivez ici à l'extrémité, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement repiquer une fois dans la jambe, ressortir là où on s'était arrêté et continuer. Donc moi, je les couds fermés les jambes. C'est-à-dire que ces deux morceaux vont être fermés. Vous pouvez très bien les coudre comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça plus joli puisqu'elles sont movibles. Ça veut dire qu'elles bougent. Donc on continue. Tout simplement jusqu'à avoir terminé de coudre la jambe. Ensuite, vous mettez la deuxième exactement dans le même sens, vous voyez, et vous la cousez également de la même façon. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de lui coudre les jambes, donc voilà ce que ça a donné. Vous voyez, une fois qu'elle est assise, elle a les jambes légèrement écartées. Vous pouvez lui mettre la jupe un petit peu comme ça on voit un petit peu ses jambes, vous voyez. Et donc voilà la poupée terminée. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, j'attends vos retours sur Facebook, donc vos jolies petites poupées. Vous avez vu qu'elles sont faciles à réaliser. Vous pouvez les customiser autant que vous voulez. Donc voilà, j'attends vos photos. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.